avec Guyou Latortu avant hier dans le palais national. Jovenel Moïse, comme président de la République, il dit Guyou Latortu, sa casseriol. Il dit président. Oui, oui, le président. Oui, le président. Ok, président Jovenel Moïse. C'est président qui a parlé. Ok, président Jovenel Moïse, dit Guyou Latortu, président du Sénat, sa casseriol de Dibefla. Qui ça dit? Ah, où j'aime qu'on sa casseriol de Dibefla? Non, ça calme de là. Oh, monsieur. Non, ok, on est là. Non, bon, je me connais. Cassarol, c'était on s'est macout, on est dans l'armée, qui t'habitait dans la commune et Grandance. De bout de si on bagaille, c'est fini. Mais qui ça le dit, Bef là? Je vais t'expliquer ça le dit. Ok, bon, mon petit coup de main. Bon, mon petit coup de main, oui. Bon, mon petit coup de main, nous-mêmes qui sommes auditeurs, parce que l'âme, forme, forme, notre coup de main. 44, 54. C'est mon ancien qui vient plus l'âge, qui cabare. Parce que l'autre jour, mais on côté, effectivement, on vient sur le dossier ça. Ok, on a les auditeurs, bon, mon petit coup de main dans le dossier ça, 44, 54, 54, 57. Bon, mon petit coup de main, qui ça casserole de Dibef là? On a les. Là, voilà, qui ça casserole de Dibef là? Bon. Parce que la salle, ça va être dans ce bout de la salle. Ça le dit? Bef là, parce que la salle, ça va être dans ce bout de la salle. Bout de la salle, merci en Bill. On a continué. Ça casserole de Dibef là, et bon, mon petit coup de main matin, dans l'émission Matin Débat. Et bonjour, Matin Débat, bienvenue dans l'émission. Ça casserole de Dibef là. Allô? Quand ça de faire comme ça, si la pluie tombe, il la vie bagaille. La pluie tombe, la vie bagaille. Oui. Mais sans pile. Bon, mon petit coup de matin, hein? Qui ça cassaille de Dibef là? Ça cassaille de Dibef là. Bonjour, Matin Débat. Bonjour. Diaspora, on allez. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Ça cassaille de Dibef là. On allez. Bonjour. Oui, bonjour, mais parlez. Ça cassaille de Dibef là. À ma connaissance, c'est parce que c'est en Cayenne, il y a des petits contacts, c'est la pluie tombée, pour vous laisser dans la vie. Bon, 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 Mon cher Cassarol de Dibef là, tout dans la vie, dans la vie mondiale. Très bien, merci en pile. Merci, on a continué 44, 54, 57, 57. On a pas encore deux appels. Et oui, chère madame, ça Cassarol de Dibef là. Cassarol, c'était un monde qui a travaillé dans le plateau central. Ok, c'était l'Albéric Pachaol. Ok. Il était Dibef là, ou tellement mal propre, lorsque c'est là où ça le derrière. Très bien, très bien. Merci en pile. Voilà, ça c'est madame Micheline Figaro et son monde important dans le pays. Classique. Et classique. On a pris encore deux appels. On a pris deux appels encore. Classica. Qui ça casserole de Dibef là? On allait 44, 54, 57, 57. Nous disons ça déjà. Émission Matin Débat, c'est ensemble que nous faisons ça. Okay? Donc nous ne faisons pas avec l'autre monde. C'est nous-mêmes, auditeurs, avec nous-mêmes qui là, dans le panel là, qui fait émission ensemble. Okay? On a pris deux appels encore sur question ça. Bonjour, Matin Débat. Qui ça casserole de Dibef là? Oui, Louko, Cassarol de jouer vraiment des plats. Il de jouer maman. Moïse, c'est vagabondier. Très bien. Merci en pile. On a continué. Et après, avant dernier appel là. Bonjour, qui est Cassarol de Dibef là? Cassarol de Dibef là, très bien, merci en pile. Eh bien, après dernier appel là. Et Isaac. Isaac, qui est Cassarol de Dibef là? Bon, merci beaucoup. Bon, et là, nous avons une définition. Cassarol de Dibef là, des bagailles.
et que nous retournons matin. Hein? Et Kassol te dit, Befla, deux bagailles. Tout le temps, la pluie va tomber. Boudon va plaver. Et l'autre, la salle d'enro. C'est Boudon Absal. C'est Boudon Absal. Ok. Tout soit fait là, c'est Boudon Absal. Boudon Absal, très bien. Tout soit fait là, c'est Boudon Absal. Très bien. Ok. Jovenel Moïse dit, il vous l'a tortu, ça Kassol te dit, Befla. Jovenel Moïse, comme président de la République, il vire le tourner, il n'y a pas ni à gauche ni à droite. Il dit, sénateur Yula Tortu, le président du Sénat, et il est au courant que l'a planifié un coup d'état parlementaire. Jovenel Moïse, président de PIA, c'est clair sur ça. La droite sur lui, la droite sur lui. Il y a matin, ou même qui était ancien député qui chef tout. Souta en façon président qui dit ça. Qui est ta première réaction? Jovenel Moïse, clair sur la question. Là, le doigt sur la tortue. C'est pour me dire nous. Je vois qui est là, c'est pour me dire petit. Bataille qui est là, c'est pour me dire bataille. Le président arrive en face au président du Sénat. Il dit ça directement. Le monde qui fait politique connaît que Aristide, son égé, l'on a fait politique et il dit qu'on qui parabole. La passe par en bas. Ok? Mais là où est un président a le doigt sur comme ça, il dit que pas un joueur là. Il dit que il compte toute bagaille. Bataille a déclaré, pas de jouet là. Ou même qui c'est chef, ancien député. Ou sont en face président qui nous a direct comme ça. Donc, on m'a assisté par l'équipe pire. Maintenant, c'est président de la République qui parle avec président Sénat. Sénat, c'est clair. Deux présidents qui ont grande responsabilité. Maintenant, deux présidents tout qui condamnaient pour pays a bien marché. Madame, non, même si la fini, mais sénateur. Oui, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Mes amis, madame. Son rapport de force là. Mes amis, madame, monsieur, c'est Goko Zek a parlé là, oui. Question qu'on y a, c'est. Comme nous avons attendu, nous connaissons que Goko Zek toujours parlé. Ok? Mais même, c'est pas des menaces pour prendre là, non? Ok? Négré, l'aime sur téléphone, anonyme, et pas des menaces pour prendre. Non, 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 c'est bien matin. Qu'on y a, faut regarder rapport de force. Dans l'émission hier là, dans la réflexion que nous avons fait, nous avons regardé la faiblesse du président Jovenel. Et nous avons regardé tout. Et ni il y en a avant, nous avons dit. Oui. Le président font des classes comme ça, il va sortir, il va égarer. Oui. C'est bon, monde foulier. Mais hier, nous avons fait un conseil. Dans l'analyse, nous avons remarqué ça nous a dit. Ça me l'a fait. Parce que c'est vous même qui avez l'information. Là, nous finissons de garder tout le monde. Nous dit, le 1er janvier, pas moins t'es dit. Mais c'est nous dit, parce que nous disons un bagaille, puis matin, nous disons un bagaille. Nous, chacun a responsabilité, nous, mais des fois, c'est force mission. T'es dit, président Jovenel, là, nous finissons de garder le conseil de monde. Il va y avoir un côté, il dit, beaucoup attention. Président Jovenel, automatiquement, il est là, il est obligé de contacter toute équipe PHTK. Non, mais c'est clair. Parce que, écoutez, je dis à qui est-ce qui base. Nous, est-ce qu'on imagine qui cadeau, qui cadeau, quel que soit. Parce que pas obligé. Non, même nous, bagaille. Conseiller, qui va écouter le président. Vous connaissez pas dire ça. Non, très bien. Écoutez, matin débat, c'est émission. Et l'idée de fait. Ok, madame, monsieur, laissez-moi vous dire. Matin débat, c'est une émission d'État. Ok? Ça fait nous-mêmes ici, nous avons responsabilité dans tout ça qui a passé dans le pays pour nous faire débat sur lui dans le matin débat. Et son gros responsabilité. Moi-même, nous connaissons Zimbabwe, nous avons changé d'habitude, changé de comportement parce que nous avons une situation qui est très fragile. Nous avons pris mon téléphone, fait une menace, nous avons dit que pour ça, émission, matin débat sur l'émission d'État, parce que je dis, il y a un monde qui est officiel de ce gouvernement, ou pas capable d'attendre matin débat. On a qui c'est député, sénateur, ou pas capable d'attendre matin débat, parce que il y a des informations que nous baillons dans l'émission matin débat, il y a des analyses que nous faisons dans l'émission matin débat, l'offre d'un débat, elle garde bois dans la réalité. Donc ça dit que je dis, pour qui ça, moi poser des questions, moi demander nous pour nous intervenir, parce que Jovenel Moïse, comme président de la République, vient droit sur Yuri la tortue comme président du Sénat. Il dit, monsieur, nous connaissons que le coup d'État parlementaire a planifié pour nous mettre en accusation.